Bon, vous deviez gagner, et vous avez gagné. Ouais, on a bien gagné, moi, je pense. Au niveau du jeu, il y avait un mieux certain dans l'entame du match. On a construit une victoire, surtout en première mi-temps. C'est bien, c'est vrai qu'on était un peu en dedans au niveau du jeu sur le match précédent au Costières. Là, je pense c'était beaucoup mieux et je pense que c'est ce qu'on doit, retenir de ce match. Le jeu a été intéressant. Vous avez été en tout volant du début jusqu'à la fin. Ouais. Bah oui, c'est bon. Je pense que on a retrouvé du mouvement, de la communication. Il y a eu des enchaînements intéressants, des occasions, beaucoup d'occasions aussi. Un peu ce qu'on était au Costières sur une bonne période. Donc j'espère que ça va continuer. Il fallait gagner parce que j'ai vu qu'Ajaccio a gagné aussi, donc la lutte est serrée, quoi, toujours. Ouais, nous, il faut qu'on fasse notre parcours. Après, c'est vrai qu'on s'intéresse aux autres, mais déjà, faisons notre parcours. Et puis, faut continuer. Je pense que ça va être chaud. Et donc, il faut continuer, prendre un maximum de points partout où on ira et n'importe contre qui au Costières. Faut prendre un maximum de points. Voilà, après. Je pense qu'il faudra dépasser la barre des 60, bien évidemment, et après on verra bien. C'est une victoire qui vous rend optimiste pour la montée ? Pas plus, parce que nous, vous savez, on est un peu dans la constance, mais je dirais que mentalement, ça fait du bien. Après, est-ce que ça nous donne un excès de confiance ? Je ne sais pas. Mais je pense qu'on en avait besoin au Costières. Ça faisait longtemps que les gens n'avaient pas vu un match comme ça. Après, est-ce que les joueurs... vont comprendre qu'il y a encore du travail à faire, beaucoup d'efforts à faire. Je sais pas. En tout cas, on sait que maintenant ils peuvent le faire. Donc à eux de continuer. Vous pensez que la demi-finale de Quevilly mercredi, ça vous a facilité la tâche ou pas ? On en a parlé, ça n'a pas été une grande discussion intense, mais on en a parlé forcément. Je disais que dans ma petite carrière, j'ai fait une demi-finale, deux demi-finales de joueurs, une gérée entraîneur aussi, ça fait trois. Inconsciemment, ils y pensent, mais je pense que s'il y avait l'ouverture à un moment donné, ils l'auraient saisi. Si ils peuvent revenir au score, ils l'auraient saisi. Je pense qu'on a fait le match qu'il fallait pour que il n'y ait pas de surprise ou de mauvaise surprise ou qu'il n'y ait pas un espoir, parce que je pense qu'ils auraient joué le coup à fond, parce que quand on prépare un match, même un match très important, on prépare mieux quand on gagne. Bon, vous avez crié quand sur vos joueurs à la mi-temps ou à la fin ? Ou à la mi-temps et à la fin ? Bon, ça valait même pas la peine de crier à la fin du match, ça c'est clair. Ça ne méritait même pas ça. Il y a eu un petit peu à la mi-temps, mais je crois en toute sincérité que ça ne les intéressait pas ce soir. Au bout de 25 minutes de jeu, ils se sont rendus compte qu'il y avait les projecteurs et qu'ils étaient sur un terrain de foot. Et malheureusement, il y avait déjà 2-0. Donc c'est difficile pour une équipe de pouvoir jouer. Maintenant, ça n'enlève rien à la victoire tout à fait méritée de Nîmes Olympique. Et en toute sincérité, j'espère qu'ils vont aller au bout et qu'ils vont monter en Ligue 2. C'est un club qui le mérite amplement. Voilà. Est-ce que le Quevilly avait la tête déjà au match de mercredi ? Je ne veux pas y penser un seul instant, mais malheureusement, c'est la vérité. Voilà, on l'a bien vu dans tous les duels, que ce soit au sol ou aérien. Il y a eu très peu d'engagement. Voilà, alors on a fait illusion de temps en temps à essayer de faire des choses en deuxième mi-temps, mais à partir du moment où il y a 2-0 au bout de 25 minutes de jeu, il n'y a plus rien à attendre, à espérer. Donc voilà, on est venu faire un déplacement et puis on va se projeter sur le match de mercredi, cette fameuse demi-finale, puis on y verra bien par la suite. Et comment vous appréhendez maintenant ce match ? Vous avez perdu 3-0, mais maintenant c'est le match prochain, c'est le travail. Vous savez, les matchs de championnat et les matchs de Coupe de France, c'est tout à fait. C'est autre chose, c'est différent, t'as l'esprit est totalement différent. Et puis j'ai des joueurs, j'ai un groupe qui se mobilise à travers cette compétition. Les joueurs que vous avez vus ce soir, si vous regardez le match de mercredi, vous n'allez pas les reconnaître. Donc je savais que ça allait se passer comme ça. Je ne voulais pas y croire parce que moi de revenir ici, voilà, ça m'a fait quand même quelque chose et c'est ça qui me dérange. Mais comme mon cas personnel n'a pas trop d'importance dans cela, voilà, on va tourner la page, on va oublier et puis on va préparer ce match de mercredi et puis la suite du championnat parce qu'il ne faut pas oublier qu'il nous faut gagner encore deux fois pour se maintenir. Ça vous a fait quelque chose ? Ça vous a fait quoi ? Ça faisait 4 ans que je n'étais pas revenu ici.